que je te fais rejoindre. Je te fais rejoindre. Donc re tout le monde, donc on se retrouve pour le match les Entidad contre les Furless. Donc je suis avec Doki, ça va super. On va commenter le match comme l'a dit Ronan, Furless vs Entidad. Donc je pense. Donc Furless, je connais pas, mais on m'a dit que ça envoyait du lourd quand même pour une team entre guillemets no name. Mais côté Insidia, il y aura Yako, Vortex, Zorp et Zip, mon ex-teammate. Donc voilà, je pense pronostic 2-1 ou 2-0 pour Insidia. Voilà, ton pronostic. Moi je vise 2-0 pour moi, enfin je pense 2-0 pour les Entidad. C'est peut-être l'HP, ils vont un peu rouler dessus. Et la SND, ça va être pas un peu plus sérieux. Je dis 6-4, 6-5 ou 6-3, un peu importe. Vas-y, rejoins la game et puis on va lancer la game. On va lancer la game et puis voilà. Bah, là, on va rentrer dans la game. Ouais, on va lancer. On va lancer la game d'ici peu, voilà, bah on attend. Je pense qu'ils ont eu le warm-up, les joueurs, bah, voilà quoi. Ouais, ça va créer. Ah, ça va créer, voilà. Et donc c'est un beau 3 que je rappelle, et c'est toujours les poules, voilà, c'est toujours les poules. Attends, les maps. Allez, on cherche les maps, donc voilà. Ouais, c'est toujours les poules, donc rien n'est joué encore. Tu veux parler? Ouais, je crois que le gagnant de ce match, enfin je crois. Slums et Meldon. Et puis là c'était, je sais pas. Donc je crois que le gagnant de ce match est premier de la poule, je crois, ou je sais pas comment, ou en tout cas Entidad, enfin après faire, je sais pas. T'es sûr? C'est pas leur... Ok, bah en fait non, rien n'est fait dans leur poule. Bah, vraiment tout le monde peut être premier comme dernier. C'est pas comme ta poule ou notre poule, ou genre moi, enfin nous déjà on a déjà fait deux matchs, on devine. Ah, vous en avez fait qu'un? Bah je pense que ouais. Nous déjà on n'est pas éliminés. Les boycotts, vous avez joué? Ça va être un bon match. Donc ok, attends. Ok, bah c'est bon je crois. Ah, ça bug. Ah, mais par contre ça, je trouve qu'il y a beaucoup de bugs. Enfin je sais pas, des consoles. Je sais pas, c'est les consoles, ça bug. Vas-y, quitte et relance. Mettons en code casting. Tu fais la manette et je tiens le micro. Ok. Bah, merci déjà à tous les viewers qui sont sur le stream, ça fait plaisir. Alors qu'il y a, il y a combien de personnes? Ouais, sur 700, alors qu'il y a la Nick à côté, où il y a tout le monde, il y a mon frère, etc. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire partager sur Twitter. Tweeter le stream, franchement, il va y avoir un bon match quand même. Ça va être un beau match. C'est pas encore le plus gros, les plus gros matchs, mais c'est quand même déjà un gros match. Là pour l'instant, il y a eu déjà un ou deux gros matchs sur le stream. Les Soviets contre les Bob, c'était un gros match quand même. Je pense que les gros matchs vont arriver peut-être en fin d'après-midi, demain. Donc voilà. Ah, mais il faut que je fasse une bonne partie, sinon je vais me faire travailler ce soir, je dors avec Yomi. Ouais, à 1000 viewers, faites partager le stream. À 1000 viewers, on donne un script à un de vous. Putain, mais je suis en train de suer. Tu as fait un JOE? Ouais, ok. Bah, on va en faire un et puis à 1000 viewers. Donc, n'hésitez pas. Tweeter le stream pour gagner un script RIP. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez voir un squid grip sur ma manette, ben voilà. C'est en fait, c'est contre la sueur en fait, c'est super bien. Donc voilà. Je me suis mis en mode Gymfinity là, Tech Benson. Voilà. Ça trash talk, ouais.
Ouais. Et ça trash talk un petit peu là. Déjà, voilà. Excuse-nous. Ouais, on va juste changer. On va changer bientôt la chatbox pour avoir un modem, pour avoir un modérateur pour bannir voilà, les foudeurs. Ouais, bon, voilà. Ouais, un peu, ça sert à rien de ça faire rien. Ça alors que... C'est con. C'est con, c'est... Allez, dans le game. La game est lancée. Ouais. La game vient de se lancer, donc on va partir sur un HP Slums. On va partir sur un HP Slums. Donc HP Slums, ça dépend, déjà, vas-y, appuie sur B et active la mini-carte. Voilà, bah voilà. Là, les Furless, on les bat spawn, donc ça va être très chaud de les récupérer. Il faut qu'ils fassent un start un peu n'importe lequel. Moi, sur Dweza ? Ouais, why not ? Vas-y, bah ok. Donc, on va se mettre sur comment Dweza ? Ouais. Dweza, donc il joue à la MSMC, je pense. Avec une fumée, je pense que ça va être un peu le chicken de l'équipe qui va aller sur le point tout le temps. Tu peux voir les autres avec quoi ils jouent ? Luna, c'est. Exécuteur. C'est très rare. Très rare. J'ai déjà vu Tech 45, mais jamais des exécuteurs. Dibou qui fait un premier frag. Ou 3 pièces directes. Les NCD qui font un super start. Donc qui tiennent le point. Zip derrière la fontaine avec son trophy. Il est bien protégé. Il faut qu'il joue CSS maintenant. Qui fait le double. Oh, ça commence déjà à trash de la part des NCD. Oh, ah non, dommage. Il aurait dû jouer SS. Vortex qui le venge. Dweza qui venge encore et Yako qui fait un énorme double qui permet de récupérer le point. Donc il reste 20 secondes, il faut déjà commencer à penser à la transition. Il reste 20 secondes parce que là ils ont déjà 15 points d'avance. Yako, il faudrait peut-être qu'il pense un peu à CSS parce qu'il doit être peut-être à 2 frags de CSS. Par contre, mets-toi sur Vortex, il est en série de 6. Ah, il a déjà CSS Vortex. Ouais. Et voilà. Ça déjà. En 30 secondes, il a CSS Vortex, donc bien joué à lui. Il va essayer de débloquer sa machine de guerre qui serait. Vraiment, la machine de guerre sert vraiment sur certains points que t'as pas. Ah non, il a réussi. Vortex qu'il a. Ah, et puis là, on peut voir un peu le point, enfin, limite dominé par les NTD qui ont pris le point en tranquille. Série de 8, peut-être. Oh, qui meurt. Mets-toi sur Yako qui est en série 2. Qui pêche le bleu. Oh, dommage. Oh, Zip qui est on fire, il arrête pas de trash talk ses adversaires. Je pense que ça va être très dur pour les comment ça s'appelle ? Les Fearless. Parce qu'il y a eu des CC et tout, ça va être très très dur. Là, il y a un conflit. Ouh, Zip qui perd son duel contre Dweza. Ah, il récupère le point. Ah non, il y a un conflit. Ah non, Yako la double peut-être. Ça se fonde sur lui. Ah non, dommage. Les Fearless prennent les points un peu poubelle, les 15 points. Mais en fait, il faut qu'ils pensent à la transition parce que là, ils l'ont pas et ça va être très dur de récupérer. Surtout qu'ils ont pas d'SS. On va les scores. Vortex en 10-3 déjà. Peut-être Zorp un peu plus en difficulté en 3-5. Après, dans l'équipe adverse, c'est un peu plus homogène. Tous à peu près les mêmes scores, 5-3 frags. Donc voilà. Zip qui ancre super bien. On va voir le slay de Zorp. Zorp qui est au niveau du garage carré, il va essayer de couper la transition, enfin un peu ah ouais, mini transition au bas, niveau garage. Oh, failli le turn, mais Vortex le dessus qui fait un énorme double. On va se mettre côté Fearless. Ouais, si tu veux, vas-y. Ouais, parce que là, on va voir comment ils essayent de pousser. Donc Kryptos qui pousse carré, il s'allonge, il va peut-être. Ah non, son pote le tue. Moins 2, moins 3, moins 3 de la part des Fearless. Il récupère le point, il faut qu'il pêche pour récupérer les spawns. Ah, il tue Vortex. Ah, dommage, Zip qui fait trip de la part des. Mets-toi sur Zorp, il est en série 3. Zorp qui est en série 3. Ah, il est déjà. Il prépare déjà prochain. Ah, mais il meurt malheureusement. Il y a Zip qui. Mets-toi sur. Tu veux te mettre sur Vortex. Vortex, pourquoi pas. Il a tout CSS, c'est important. CSS, il slay le garage, le middle. Il va au carré parce que le carré, c'est un peu le point, avec le point middle pour slay. Il sort sa machine de mort. Il sort sa machine de guerre. Il doit 4 patates s'il peut tuer facilement des mecs. Donc il ressort sa MSMC. Je crois qu'il joue pas avec un BN entre R. Non, je crois pas. Donc en gros, c'est. Bah, ça dépend. Le BN entre R, il est pas trop utilisé. Série 3 de Hellstorm, Missile, Slay. Ah non, il tombe sous les balles de
Crypto, Zob qui Zip qui sera choc ses adversaires. Il a... Ah par contre Zob il a oublié ses SS parce que il a un drone. Ah je sais pas mais en tout cas il s'est trompé sur ses SS. C'est assez dommage parce qu'il pouvait sûrement avoir. Ouais, il peut. Donc, Zorp qui est en série de 8. Il va sûrement rendre des points de tête CSS. Donc, on peut voir une avance de. Enfin. Enfin, là, une avance de 130 points, c'est un peu. C'est un peu mort pour. Enfin, à moins qu'ils font. Ouais, sûrement, Vortex va redébloquer CSS. Ouais. Donc, les gens, appuyez sur S5 pour la nouvelle chatbox du stream de Sartre France. Parce que. Ouais, comme ça on peut bannir les actualiser la page comme ça pour la chatbox comme ça il y a les personnes qui nous embêtent un peu sur le stream souvent ban ou kick enfin comme ça vous aurez une chatbox de qualité personne nous embêtera donc appuyez sur F5. Ah peut-être la double Wellstorm. Ah oui il fait la double vortex un peu logique parce que les ennemis ils étaient un peu à découvert. Le Dragonfire, mettez sur le Dragonfire un peu. Ah non, il tombe. Vortex en série 2, peut-être la double. Oh, il fait la double. Ah, joli. Vraiment, Vortex qui quasiment humilie ses adversaires. Je crois qu'il. Je sais pas, il doit être. Appuie sur back. 27-10 de la part de Vortex, c'est vraiment. Donc là ils ont les spawns, il reste 40 secondes, ils peuvent finir sur ce point si stay bien autour etc. Déjà à moins 3 ils respawnent tous bleus les adversaires. Ah non dommage. S'ils font en perfect sur ce point là ils gagnent. Ouais. Il reste 25 secondes, ouais, ils peuvent terminer sur celui-là. S'ils font aucun conflit, moins 2 ça respawn tous au prochain, ouais c'est. Ils savent que c'est terminé. Donc on peut voir la première map remportée par les Insidia. Enfin moi j'avais pensé. Ah il rush quitte la game. C'est un peu dommage. Normalement quand tu rush quitte une game tu le fais à la dernière map. Là il le fait en plein milieu de la première carte. Enfin c'est un peu bête. Ouais c'est pas grave. Donc on peut voir. On peut voir, les scores cryptos en 9-26, 11-26 de la part de Dweza, Neven, 14-20, donc vraiment, tous en négatif, vraiment, ils se sont fait. Ils ont vraiment subi. Ils ont dominé la game de A à Z. Ouais. Et après ce match-là, on va peut-être faire gagner un Squid Rip. Donc, maintenant. Ouais, bah on va faire ça. Donc, répondez avec le hashtag Desserto Live et followez Desserto France pour avoir une chance de gagner. Donc je vais vous poser la question, donc qui a gagné le match précédent? Donc répondez. Ouais sur le main stage là qu'on vient de streamer. Donc répondez vite. Le premier bah il gagne un Squid Rip. C'est moi il y a un bug là. Ah le match précédent. Ah non merde voilà, sur un moment. C'est ça? C'est ça? Ouais. Ok. Mais non. On a un gagnant. Ouais, c'est ça. Donc on a un gagnant, c'est Adrien Matt, donc si tu nous écoutes, GG à toi. T'as été plus rapide. Enfin, voilà quoi. Les autres. On va donner les informations pour ton adresse et tout. Ouais, voilà. Et aussi, on va faire gagner encore plein de choses. Donc, franchement, restez connectés sur le stream parce qu'on va faire gagner beaucoup. Ouais. Ou des codes 2100 points. Des codes des points, des. Ouais, tout. Des t-shirts. Ouais, donc voilà. Oh, voilà tout. Franchement, voilà quoi. En plus, une chance. Regarder un stream, se mettre bien et gagner un truc, c'est toujours bien. Voilà. On va partir sur une SND Meltdown. Non, pour moi, je vois quand même une victoire d'Insidia 6-3 ouais. Pour moi. Ouais. Ouais, y'a moyen. Ouais, après, moi, je veux plus les Fearless gagner à SND. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai envie de dire.
ça trash talk un côté Zip. Hein. Franchement, on voit Zip qui a été au taquet depuis le début de la game. Zip, il aime trash talk. Hein. Il laisse aucun répit aux adversaires, il fait que trash talk. Même quand il meurt, il trash talk. Oh, ça trash talk sale. Hein. Limite. En plus, on sait que Zip, il aime trash talk. Donc, ouais. Attends. Ah, merci aux 1200 personnes, ça a monté direct. Merci à vous et n'hésitez pas, enfin, continuez à partager le lien du stream. Ça fait toujours plaisir. Et restez surtout connectés sur live si vous voulez d'autres concours, etc. On a déjà fait combien de concours là? 2 ou 3? 4. Déjà, 4 concours en une matinée, enfin, ouais, en une journée quasiment. Déjà, c'est quand même beaucoup. On en a encore 10 à faire en une journée et demie encore, donc restez connectés sur live. On aura fera. Ouais, bah oui. Voilà, franchement, si. Bah, attends. Ouais, je disais, on va avoir plein de concours encore. Bah, merci à nos sponsors partenaires: Evento Gifts, Cup Gaming. Evento Gifts, Cup Gaming. Funk. Funk, Activision, Gamecom. Opage, Plantronics, tout le monde, merci, c'est grâce à vous qu'il y a tous ces lots-là. Franchement, c'est grâce à vous. Et enfin, voilà, quoi. Merci à tous ceux qui viennent en LAN, c'est grâce à eux que les LAN existent. Ouais, ce que j'ai... Et Evento Give, bien sûr. Hein. Qui ont loué la salle? Ah, Drizzy, franchement, il se tue pour faire... il se tue vraiment. Ouais, Dessert France, qui font un gros taf. Unique, qui est pas vraiment médiatisé, mais qui fait vraiment du gros taf. Hey, t'as peur ou quoi? T'es obligé de racheter? Ah ouais, trash talk. Hein. Franchement, c'est dommage qu'on voit pas les trash talk. On peut voir beaucoup de trash talk de la part des NTD. Franchement, ce trash talk il a été sévère. Si vous l'auriez écouté, vous auriez rigolé parce que franchement, moi j'avais pas bien. Donc il y a un peu des consoles encore. Donc, ça va. Ah, c'est Express, ça m'a. C'est Express? C'est pas Medon, c'est Express. Je sais pas. Franchement, moi je vois bien, ouais, moi je vois quand même gagner les NTGA. Franchement, là un peu plus facile, ouais, franchement, un peu plus facile. Ça, je tiens, ça. Donc là, ça va lancer. Je pense que je parie sur une victoire 6-5 des Fearless. Une Fearless? Ok, pourquoi pas, oui. Moi j'aimerais bien voir une troisième map aussi pour l'action, pour le plaisir de voir. Ouais, même, pour tout. Mais moi je vois quand même une victoire d'NTG sur cette SND. Vraiment, pour moi, j'ai trouvé largement meilleur que les Fearless. Enfin, d'après la première map. Après, je sais pas ce qu'ils valent en SND. Peut-être qu'ils sont. Je sais pas, c'était du en SND, je sais pas. Mais pour l'instant, moi je dis victoire des NTG assez facilement quand même à SND. Et puis, puis voilà. On peut voir Zip vraiment au taquet, je suis vraiment choqué. Parce que. Franchement, c'est dommage qu'on aime, tu sais. T'as bugué, Crypto. Ça, c'est dommage. C'est comme les MLG, genre ils mettent. Il y a un caméraman. Mais t'es pas level. Ouais. Mais genre, faut que ça dise. Donc la game se lance. SMD Express maintenant. Allez, Niven. On crash talk. Ah, donc on entend le trash talk de Zip. Donc on va se mettre sur l'attaque. Ouais, peut-être le scope. Petit problème. Ah non, je crois qu'on va arrêter la game parce qu'il y a un problème. Ouais, ils vont arrêter la game parce que là ils sont que 3. Donc après, je crois que le prochain match unique, tu sais ce que c'est. Ce sera nous contre Boycott. Ce sera le roster pick up contre Boycott, donc déjà un gros match. Je crois que c'est 5 et 4 qui sortent. Ouais. Donc déjà un gros match. Donc restez ici parce que vraiment, ça va être un match de folie, je pense. Ça va être vraiment très serré. Et puis n'hésitez pas à rester sur stream pour encore les cadeaux qu'on va vous offrir avec Dessert France. Je crois que les problèmes de console, de jeu, etc. c'est réglé parce que je sais pas ce qui se passe, mais genre à cette...
À cette LAN, il y a les problèmes avec des consoles, etc. Skyline, ouais, la Skyline, mais pas la SLE ou machin. Ah ouais. Il y a des problèmes de consoles, etc. Genre, d'un coup, ça fige et... Enfin, c'est bizarre. Donc, la game se relance. Donc, on va partir en attaque. On va partir en attaque, j'aimerais... Vas-y, on se met sur un scope. Ah bah voilà, un scope. Zip qui se met, qui prend un scope direct. Je pense qu'il va scoper le top ou... Le top bridge ou le bas, le bas B. On va voir ça. Appuie sur B et la mini-carte. Donc, ouais, il part au niveau du top bridge. Axe Sniper, je crois que... Ah, il scope le top bridge chez eux, il voit qu'il y a personne. Les mates, ils avancent au A. Vraiment, je pensais pas qu'ils allaient rusher en A, mais bon, ils le font. Donc on voit, il y a quelqu'un sur A. Faites gaffe, il y a un adversaire. Ah, ils gagnent leur duel. Il y a Yako qui gagne son duel. Faites gaffe, il y en a un train. Il y en a un sur B. On va pas parler trop fort. Ouais, il y en a un qui va aller back sur A. Peut-être... Ouais, il va sûrement mourir, peut-être. Ah non, Kryptos qui assure son frag. Oh, Kryptos, la jolie double. On va se mettre sur lui, tiens. Situation de 2v2. Quand même, les Insidia qui sont un peu éloignés, quand même. Ah, peut-être un duel. Zap, Kryptos. Ah, Kryptos qui fait le frag sur Zippo. Peut-être le full de la part de Kryptos. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah et voilà. Moi je suis mise par les Furless. Ouais, désolé, j'avais oublié leur nom. Furless. Donc ça fait pour l'instant 1-0 dans cette SND pour les Furless. Ouais, peut-être. Ah non. Ouais, peut-être. Ouais, bah ouais. Moi je dis une SND accrochée. Franchement, SND, rien que la première manche, c'est une première manche. Ils étaient bien en place quand même. Appuie sur B, vas-y. On va se mettre sur Zop. Vas-y, mets-toi sur Zop. Vas-y, il est au scope. Ah ouais, bah on voit une attaque A aussi de la part des Furless. Il y a Zip, il y a qui sera avec Zip? Donc il y a quoi, il sera avec Zip? En fait, il fait une technique, en fait, vous voyez Zip là. Zip, en fait, il va lui scope si quelqu'un passe sur la bombe et en fait, Yako, il va sauter et il va faire le kill en fait. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Appuie sur lui. Nice. Ouais, désolé, Vortex qui fait un frag sur Crypto, je crois. Faites gaffe au back. Ou peut-être le back. Ouais, parce que là, il le back. Mets-toi sur. Ouais, reste sur lui. Oh non, et pourquoi il tire? Ah non, il a pas sur ce frag. Il choque un peu le. Fallait que Luna. C'est un peu dommage. Parce qu'il les prenait par derrière. Vortex. Oh, Vortex, il fait un gros frag sur Luna. Mets-toi sur lui. Il est en situation de 1v2. Ouais, franchement, peut-être. Ouais, peut-être. Il lui reste 10 secondes. Donc, pour ça, s'il termine Niven King. Donc, un partout au niveau de cette SND. Partout, donc ouais, donc ils ont fait une attaque vraiment temporisée. Je veux dire, ils ont Vortex qui a vraiment fait le back pour essayer de faire la différence au niveau des kills. Vas-y, appuie sur B. Zap qui sort le sniper, ils attaquent en bas. Il est tout seul en bas. Ils vont peut-être gagner. Ah voilà, Zap qui tue Niven King. Ah bah non. Sauf que les Furless se sont replacés sur B. Ou 1v4. 1v4. Il fallait que Luna qui fait le premier frag. Donc 1v3 maintenant de la part de. Fallait que Luna. Franchement, il y a moyen qu'il le fasse. S'il a un bon timing. C'est un bon timing. Qu'il le fasse. Surtout que c'est allié. Deux ans pour les Insidia. Qui est un peu, enfin, pas romante, mais... Voilà, ils reprennent.
Ils reprennent confiance parce qu'ils viennent de mettre deux manches d'Achille. Oh, on peut voir un exemple, un petit fail au sleeper qui termine au B23. C'est plutôt rare que quelqu'un joue au B23 en fait, au, au coton. On dirait que t'as plus de shoot, je veux dire, l'arme elle bouge moins, tu vois. Moi j'ai jamais testé avec un couteau tactique là, le B23R, peut-être un jour je testerai, excusez-moi. Mets-toi sur... Ouais franchement une attaque ça serait bien. Ah donc ça va rusher en bas, ça va être intéressant ça. Ça va être intéressant ça parce que le bas c'est le point... Oh ils sont trois en bas. Oh Niven qui fait un gros kill sur Vortex. Luna, oh Zarb qui fait un gros frag. Situation de 1v3 pour Yako. Donc ça, il pose la bombe. Donc il pose la bombe. Donc situation de 1v3, il est dans le couloir bridge. Il va peut-être avoir un duel là. Ah, il sait où il est. Ah, il lui a mis un gros coup de brain, il sait pas où il est allé. Donc 30 secondes, 1v3. Pour moi, je pense que ça va être chaud. Excusez-moi. Ouais, donc 2-2, ils reviennent au score. Ouais, je crois. Je sais pas, ouais, enfin bref. 2-2, ils reviennent au score. Voilà. Voilà, Fearless, ils ont montré qu'ils allaient pas se refaire monter comme ça. Donc 2-2, de partout. Donc voilà, on va se mettre sur l'attaque d'Ensidia. On va se mettre sur Zip, je pense. Sur Zorp. Zorp qui est bien. Ouais. Franchement, Zorp. M'impressionne de l'anneau en l'anneau au sniper. Je pensais pas qu'il était aussi bon au sniper, mais là il impressionne vraiment. On dirait un joueur à sniping. Je déconne. Hein. Ouh, il fait un double, une collade, mais il tue quand même un de ses potes. Il tue Yako et par contre il tue un ennemi. Donc situation de 3v3. C'est dommage pour l'équipe Hazard parce que pour les Nvidia, parce que ouais, parce qu'il avait le frag facile, mais Yako qui passe devant la balle de Zorb. Il est passé à côté. Ah ouais. Bah, Dweza qui fait la double. Donc, Gore-Tex, situation de 1v2 maintenant. Peut-être, par contre, le full pour la pour Dweza. Ah, je pense qu'il va faire le 1v3. C'est vraiment possible. Le 1v3, il est possible. S'il a un coup de timing, il peut le faire. Par contre, Vortex, il faut quand même qu'il joue un peu CSS parce qu'il est en situation de 1v2, mais il a sergué. Vas-y, appuie sur start, j'ai pas revu. On peut voir, ouais, les scores. Non, de la part de Cynthia, Yako et Zip qui choquent un peu leur SND. On a un 4 tous les deux. Voilà. Ouais, ils sont chauds. Eh ben non, c'est bon. C'est dommage pour Vortex qui était vraiment juste à côté du mec. C'est vraiment dommage. Ils auraient pu débloquer la situation. Ah. Super bien joué de la part des Cryptus qui fait le frag sur Vortex, qui lui permet de couper la série de Vortex. Quelques kills, je crois. Je sais pas si c'est son SS ou. Je crois qu'il a quelques kills de son. Elle sort effondrement. Donc, s'il arrive à le débloquer vraiment, ce serait vraiment un avantage pour eux. Ah, peut-être. Il a débloqué son stun. Oh, il débloque. Oh énorme kill de la part de Dweza. Énorme kill sur Zip. Situation de 1v1 maintenant. Cette manche elle est hyper importante pour les deux équipes. Cryptos qui pose la bombe sur A. Donc ah, par contre Yako il est vraiment à l'opposé. Donc il va perdre beaucoup de secondes quand même à revenir sur A. Peut-être Cryptos, le Cobrain assez chaud. Poste top bridge, j'ai vu top d'entrain. Pas moins fort parce qu'ils vont peut-être nous entendre. Donc la crypto. Oh Yako qui fait le frag sur Cryptos qui va désamorcer la bombe. Donc super bien joué de la part de Yako qui permet de revenir sur A3-3. Donc par contre, super opération de Dweza qui permet de débloquer tous ses SS. Il a vraiment tous ses SS. C'est vraiment... Ouh, trash talk. Trash talk de la part des Fearless sur Zip. Enfin bref, ouais donc là franchement si ils peuvent gagner la SND, enfin gagner deux rondes easy avec les SS, s'ils les utilisent bien. Par contre peut-être que les... Antidia ont peut-être vu ou peut-être pensé que qu'il a peut-être des SS. Je ne pense donc... pas parce que regarde, c'est 7-4 et tu vois, c'est ouais. Voilà quoi, c'est pas 7-1 ou 1. C'est vrai. Voilà, donc quand on va se faire la tête, c'est Antidia. Voilà. Zip, il va... Le sort, il va...
Attaque les pyramides avec son sniper. Je crois que c'est une attaque plutôt. Ah, il est tout seul sur un malheureusement. Ah, il est stun. Zorb qui fait un énorme frag sur Kryptos. Énorme kill de la part de Zorb. Je crois qu'il s'est fait entendre. Non, au top. Ils l'ont annoncé qu'il est top. Oh, Vortex. Oh, il t-bug. Ça t-bug. Ça manque de respect déjà. Je crois qu'il a vu quelqu'un. Zorb qui a. Bah, qui a les deux à côté de lui. Il va les contourner. Oh, par contre, pour... s'il le fait, s'il le fait. Oh, énorme action de la part de Dweza. Énorme action. Il a fait 4 kills en énorme clutch. Énorme clutch de la part de Dweza. Il a fait les 4 frags en moins de 15 secondes. Je ne pensais vraiment pas que le S-Storm le foudrement servirait. Je pensais aussi. Donc 4-3 pour les Fearless dans cette SND. Bon, moi je les pensais vraiment pas tenir les NTDA comme ça en SND. Vraiment gros joueur. Ouais, bon, Dweza qui impressionne un petit peu sur cette SND. Je l'avais pas trop vu sur l'HP, mais vraiment là, la SND il impressionne vraiment. Il débloque toutes les CS, il gagne les frags importants, les kills importants, il les fait. Et puis il permet de grappiller des manches petit à petit. Et peut-être pourquoi pas gagner la map. Il va peut-être redébloquer. Il va peut-être redébloquer ses Dweza. Qui met RCXD sur A. Donc il est tout seul sur A malheureusement. Je sais pas qui c'est sur A, je pense que c'est Yakou. Il va peut-être y avoir un back. C'est peut-être Vortex qui va back. Il va peut-être faire le kill et oui, il fait le kill. Et voilà. Mets toi sur Kryptos. Ouais, c'est Kryptos, ouais. C'est sûr de 3v4. 6, ouais, ça va être. C'est possible. 1v3 de la part de Kryptos, il peut le faire. Il l'a vu. Oh, il fait le frag sur Kryptos. Donc, il permet de remonter 4-4 sur cette SND. SND quand même assez serré dans l'ensemble. Au moins très serré. On peut voir Dweza vraiment au-dessus en 10-5. Ah bah on voit pas. Mais on pouvait voir Dweza vraiment au-dessus en 10-5. Vraiment il fait une SND quasiment parfaite. Il est vraiment chaud sur cette SND. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire un truc comme ça, mais bon. Il montre que c'est pas fini. Ouais, pourquoi pas, il est tout. Par contre, il rush tout seul en B avec son score. Je pense qu'il essaye de faire un open. Peut-être. Par contre, si le mec là, il va challenge, je pense que. Et hyper bien, j'ai Nvidia parce que le SAM a servi à rien, ils étaient tous dans la maison. Vraiment, bien joué au Nvidia, franchement. Situation de 3v3, 3v2. 3v2. Dweza encore qui débloque la situation en faisant le frag important. Oh là là, Dweza qui fait un énorme frag encore à la Scorpion. Dweza il fait vraiment. Il est vraiment on fire sur cette SND. Donc en situation de 1v3, le Zipou. Au moment, il peut le faire, Zipou. C'est un homme d'action, il peut le faire. Mission clock about to expire, step up. Donc il tempo un petit peu, il lui reste 20 secondes, il a vraiment pas le temps, il faut qu'il fasse les frags maintenant et poser la bombe. En plus la bombe elle est top 3 donc c'est hyper visible, donc s'il monte dessus, il y aura sûrement un ennemi qui va le scoper. Il va essayer de jouer CSS je pense, parce que là 10 secondes c'est terminé. Donc moi je gagnais par les Fearless, donc ils sont à une manche de mettre la map et aller en CTF. Donc c'est ce que j'ai dit moi, je pense que les Fearless... L'équipe est menée par Dweza qui montre son équipe. Vraiment avec ses frags importants qu'il fait, avec ses SS qu'il a eu. Dommage pour les SS qu'il a un peu mal joué, je trouve. Il a mal joué ses SS. Peut-être la petite Rome. Ouais, 13-5. Waouh, il fait une game énorme. Une bombe, une des amances. Ouais, mets-toi sur Dweza. Ah, j'attends lui car il est on fire. Encore, il est tout seul sur A, je sais pas qui c'est, ça doit être Diago. Oh là là, dommage. Donc, situation de 4v2. Donc, qui fait le frag sur Kryptos.
Peut-être le coach, je ne sais pas. Ah non, 5-5. Tout va se jouer sur cette dernière manche. Soit la victoire des Tidias, soit les Fearless qui vont emmener les NCDIA à la CTF. Pour moi, les NCDIA, je les trouve vraiment en difficulté en SND. Ouais. C'est leur mode de jeu, je pense, le moins bon. Leur point faible de leur équipe. Malgré que c'est une équipe pick-up, c'est leur point faible quand même. Donc là, je vais mettre sur l'attaque. Je vais mettre. Mais sur Yako, on a peut-être pas trop. Sur Yako, on a peut-être. Ah, dommage. Oh, deux. Donc, situation 2, 3v2. 3v1. Oh là là! Donc, les Fearless qui mettent, la map et qui reviennent à un partout et qui emmènent les NCDIA sur la TTF. Vraiment, peut-être la surprise. Un peu si les Fearless gagnent, c'était vraiment peut-être la surprise de la LAN pour l'instant. Ah, c'est chaud, hein. C'est vraiment l'ambiance est vraiment tendue. Hein. Dweza qui tient 15 frags. 15 frags de la part de Dweza, mais c'est mais il est vraiment très fort. Je pense que et c'est pas cool, mais il a fait plus de kills en SND qu'en HP. Grave. C'est vraiment ce mec là en SND. Il a surveillé ce mec, il a surveillé. OK, voilà, on va partir sur une CTF, je sais pas quoi. Ah bah, c'est vraiment chaud, hein. L'ambiance est vraiment tendue, hein. Ça trash talk des deux côtés. Voilà. Red, ouais, c'était Fred. Donc on va partir sur c'était Fred. Donc voilà. Est-ce que toi tu penses qu'il y a un... Je me suis toujours posé la question. Est-ce que toi tu penses que là il y a une il y a un good spoon ou un bad spoon sur c'était Fred? Pour moi le good spoon. Pour moi le good spoon c'est non. Le point plus vers le point plus vers le Red Kitchen. Basket Kitchen, le set Kitchen, je trouve, c'est le meilleur spawn. Ensuite, l'autre, j'aime pas parce que ça peut même si ça respawn de temps en temps à côté du flag, tu vas trop loin pour aller au flag adverse ou quoi, alors que des deux côtés. Mais moi, je trouve que le set Kitchen, il est plus facile à défendre que le garage. Ouais, c'est vrai parce que souvent, quand on spawn basket, quand on spawn. P3, ouais, P3 raid, et ben souvent on peut se faire spawn kill par la voiture bleue. Donc, ouh, ça trash tout que ça là. Ouf, oh lolo, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est. Ça reste du trash talk, ça reste. Ça va. Oh, Zip, il est vraiment. Je veux dire, là, il va. Il a vraiment. Vraiment quoi. Que voilà, même. Zip qui trage que mentalement c'est perdu. Voilà quoi, ils essayent de les déstabiliser. C'est son taf, franchement. C'est son taf. Ok, voilà. Oh, On attaque, mais on attaque, mais tempo. Il faut vraiment qu'on essaie de jouer le contre au maximum. Si on peut aussi. Si tu veux, tu peux prendre. Si on peut jouer au maximum au contre. Si tu veux. Ouais. Ah, par contre, la game. Hop, ok. Pas forcément, je veux grand kill. Voilà, donc on va partir sur une CTF Red. Voilà, d'ici peu. Donc voilà. Non, moi je vois vraiment une victoire des NTIA qui vont un peu dominer les Fearless. Ouais, même niveau des frags, niveau de l'expérience, etc. Zip Slatan là. Ah ouais, on verra bien. D'accord. Donc, et on prend le contrôle map, on essaie de faire le maximum de kills chez nous et après on pousse contre. D'accord. Donc, allez, les gars. On fait gagner. Ouais. Donc après le match, on fait gagner un mois d'Xbox Live Gold Microsoft.
Donc n'hésitez pas à venir sur le live, à partager le lien du stream pour, bah, pour participer et pourquoi pas gagner un mois d'Xbox Live. Et je peux préciser quand même, c'est là ceux qui viennent de le rejoindre, c'est un BO3, il y a un 1 Fearless contre Insidia composé de Yako, Zorp, Vortex et Zip. Il y a 1-1 et c'est un BO3. Et la game va se lancer d'ici 30 secondes. Donc voilà, ouais, ça vient de commencer. Donc voilà, voilà. Vas-y, occupe-toi. Donc la game va commencer. Allez les gars, on fait la surprise. Allez là. Allez là, allez. Donc on va se mettre sur qui? Tu veux te mettre sur qui? Vas-y, tu. Yako, pourquoi pas, vu que c'est... Ouais, il rush beaucoup, il va sortir les flags, il va faire la sneaky. Ah non, il va tester, jouer à la... Peut-être... Appuie sur B. Donc, on va se mettre sur Vertex. Vertex, je pense que ça va être, en gros, le chicken de l'équipe. Il va aller chercher les flags, etc. Moi, je vois vraiment une victoire assez facilement à DNT, dirais-tu, toi. Il joue, ouais. Là, par contre, il joue 3R. Ouais, il joue 3R. Il y a seul Vertex à la SMG. Donc voilà, on rush plein mid, on voit qu'il n'y a qu'une personne cuisine, je pense qu'il va se faire déborder, ouais, voilà. Il y a deux par contre qui poussent raid, il va faire le kill, voilà, donc oh là là, moins deux de la part d'Antidia, qui vont sûrement sortir flag, qui balance une fumée vortex, et qui va sortir flag, ça va le suivre, mais normalement il a la cover piscine. Par contre il y a un sneaky, je parle pas très fort parce qu'ils ont tout, il y a un sneaky côté garage chez eux, je pense pas qu'ils le savent, mais à part, si je pense qu'ils le savent, non ils le savent pas. Piscine, mais dommage, il a fait un peu pas le con, mais je pense une erreur de com de la part de ses mates. Il va peut-être gagner un bon duel important et il reste en vie. Il se plonge un peu, mais il reste un peu en vie. Nice. GG de la part des flag returned. Je sais pas pourquoi il a sorti piscine. Middle, mais bon, moi, 2 euros pour les Nvidia. Je trouve que c'est une avance consécutive maintenant. Ouais, non, mais franchement, c'est pas très bien joué de la part de Cryptos, il aurait dû sortir piscine. Donc on voit Niven qui est chez eux, il est en duel contre Evil Back, ouais, il va sur Brain. Ouais, attends. Ouais. Ouais, bon kill sur Zip. Il va sortir le flag. Il y en a un par contre piscine. Yako, il est en sneaky piscine. Personne l'a vu. Ouais, il y en a un aussi middle. Donc ouais, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Ouais, donc Yako peut-être pour la sneaky. Yako qui tue le flag, mais son coéquipier le venge. Donc, sûrement peut-être mettre le flag. Oh, gros double de Zorb qui a sûrement, grâce à ça, faire ramener le flag. Eh oui, grâce à Zorb, les N-Star ramènent le flag et ça fait toujours 2 euros. Il reste 2040 dans le premier stage. On va se mettre sur le runner de flag Vortex. Donc, derrière lui, il y a une personne. On va voir s'il peut runner son flag. Ouais, gros kill de Vortex. Gros kill. Je pense que ça va être un 3-0. Moi je pense à 3-0, ça va être terminé pour les Fearless. Donc ça fait 3-0. Mets-toi sur A. Il attend dans le corner donc. Le mec il s'en prend un petit peu, mais c'est un peu trop tard, un peu vu qu'il reste 2 minutes. Mets-toi sur Zip. Ouais, je vais mettre sur Zip et en série 2. Franchement, les. Comment ça s'appelle? Les Fearless, ils subissent vraiment. C'est vraiment. Ils subissent. Ouais, voilà. Comme dit Ronan, ils se font dominer de A à Z. Donc, on voit Vortex en série 2-3. Il va peut-être débloquer CSS. Non, il débloque pas CSS. Il y a Cryptos Middle. Ouais, c'est. Je pense. Je vais pas annoncer de faux trucs. C'est possible, mais ça va être vraiment très, 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 très dur pour les. Il y a eu un match gagné par contre, ça a écrit, ouais. Enfin bref, on va se concentrer sur le match. Donc il y a Dweza qui tempo. Zip il est en série 3, j'avais pas vu, mais il tempo plus. Donc Dweza fait un kill. Zip il fait un kill, non, malheureusement il tombe. Il reste une minute dans ce. Je vais occuper de la manette des changements.
Donc il reste 1 minute 13. Vraiment, si les Fearless veulent gagner, il faut vraiment qu'ils mettent des flags assez rapidement. S'ils arrivent à mettre un flag sur ce, c'est vraiment tous tes joueurs. Malgré qu'ils en mettent pas, ils en mettent 3 ou 4 de l'autre côté. Dans l'autre side, vraiment. Mais moi, je conseille. Voilà quoi, moi je. Ouais. Il aurait dû sortir le flag. Il y a Kryptos qui a fait une action de fou. Attends. Ouais, je pense que ça va être un flag. C'est flag couvert. Ouais, c'est un flag run. Flag run. 3-1. Il y aura 3-1. Peut-être Kryptos, si ça va débloquer, ça peut changer le cours du match. Gros double de la part de deux. Donc ça fait 3-1. Et il restera 5 minutes. Franchement, c'est possible. Voilà, c'est comme je le disais, tout est possible là. Comment il s'appelle? Falek, il va peut-être avoir CSS, on va se mettre sur lui d'ailleurs. On va se mettre sur Falek parce qu'il est vraiment à quelques kills de CSS. Mais je comprends pas pourquoi il joue exécuteur, franchement. Enfin, je sais pas. Je comprends pas, enfin bref, c'est ce qu'il veut. Donc on voit Falek qui temporise vraiment pour avoir ça va vraiment peut-être changer le cours du match. Donc on voit, ouais, Falek qui vient de mourir, voilà. C'est dommage, je crois que Kryptos est mort aussi alors qu'il allait, bah il était pas loin de CSS aussi. Donc Falek et Kryptos, ils étaient tous les deux pas loin de leur SS. C'était peut-être enfin, si quelqu'un est débloqué, c'était peut-être un petit tournant du match parce qu'il pouvait débloquer des situations. Niven. Chez eux, je crois qu'ils savent pas qu'il est là. Si, peut-être. Voilà. Ils sortent le flag. Ah, super, bien joué de Luna. Qui ramène le flag. De sur Vortex qui est en série 3 avec Yako. Et qui vont sûrement toucher. Bientôt. Oh, Vortex qui fait un bon frag. Donc, maintenant, Vortex il a juste à tempo. Il a juste à les attendre parce que voilà, eux ils gagnent 3-1, c'est pas à eux d'aller chercher, il va juste en pot chez eux, qu'il y en a un qui passe devant lui et il va le tuer tout simplement. Ouais, voilà, il l'a totalement défoncé. Ce serait vraiment bien si Vortex arrive à débloquer CSS parce que CSS aussi, ça peut être fini. Là il sort le flag, mais là si. Ah, peut-être pas. Ah non, il est mort. C'est mort. Voilà. Il y aura 4-1. Ça va être vraiment. C'est vraiment conséquent sur ce genre de match. Parce que les CTF, on n'est jamais sûr de rien. Vortex qui a débloqué son Storm. Depuis tout à l'heure, il tempo. Ouais, il tempo chez eux. Voilà. Il attend chez eux. Il se fait juste CSS. Il fait CSS chez eux. Il a compris. Il t'en prend pas chez eux. Vraiment, à moins d'un espoir des Fearless, normalement la victoire revient au Atidia. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu serais dans cette situation de 3-1? Qu'est-ce que tu ferais? Franchement, moi je jouerais déjà à SMG, tout mon SMG quasiment. Même Fumi, Smoke. Ouais, surtout la Fumi pour sortir les flags. Surtout Fumi, ma tactique. Donc voilà, on a eu. Voilà quoi. Ouais. Moi aussi, je penserais la même chose que lui parce que 3-1, c'est 4-1, c'est vraiment très très dur à attraper parce que je pense faut spawn kill. Oh là là, Vortex! Il est en série de 11, il a son aéronef furtif. Il les défonce totalement. Il cherche le kill carrément. Il cherche le kill et ouais, il meurt. Mais il a son aéronef. Donc on va se mettre sur Zipou à série de 6. Série de 6, il vient de débloquer son Ice Storm. Donc voilà, je pense que la game elle est finie, ils viennent tous d'avoir les SS, c'est... Je sais pas. Ouais, Aeronef, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Aeronef, voilà. Donc, Vortex et Zip ont tous les deux leur SS. Nuzek qui arrive à prendre le flag, malgré que ça ait chaud de le ramener. Il a vu le mec, il va peut-être le challenge. Ouh, il fait un bon frag sur Zip. Il va peut-être le ramener maintenant.
Bah, il y a un aéronef furtif dans cette. Ouais, il est obligé de courir chez lui s'il veut gagner. Non, par contre, là, je comprends pas depuis tout à l'heure. Depuis. Ouais. Ouais. Dommage. Dozé qui rate un duel important sur Vortex. C'est vraiment beau le duel. Donc Cryptos en série de 4, il a peur de se faire tuer aussi par l'aéronef. Ouais, 24-12 et 21-11. Deux flagronés de Vortex. Donc il a fait son taf franchement. Deux kits de flagronés, 27 bombes. CSS. Vraiment, comme j'ai dit au début de la partie, c'est vraiment Vortex qui va chercher les feuilles, qui va faire un peu de chicken, je crois. Et là, vraiment, Zip qui se lâche un petit peu, enfin, qui commence à bien aller finir un peu en stockant. Il y a 5 heures, vraiment, c'est une branlée, c''est. Y'a pas de mots pour. C'est le score ce qu'on s'est pris contre l'Epsilon, donc. Petite parenthèse. Ouais. Non mais je rigole. Enfin bref, non, scrim. Enfin bref, donc voilà, donc la game va se terminer sur 1-5-1. Donc voilà quoi. GG à Vortex. GG au NTJ et Vortex surtout qui vient de carrer cette ETF. Au début vraiment je pensais pas que ça allait être un match aussi serré, mais devant au niveau des maps, vraiment c'est vraiment chaud. Donc là on peut voir déjà un rush hit et puis la victoire des NTJ qui vont serrer la main, ranger leur stuff. Franchement, c'est très dommage pour cette équipe. Hein. Je pense qu'ils auraient pu gagner. Ça aurait été chaud, mais franchement, ça aurait créé la surprise. Donc, on va faire gagner un mois Xbox Live sur Twitter. Donc, on va copier-coller le code sur Twitter. Donc, le plus rapide d'entre vous, l'aura quoi, carrément. Et puis franchement n'hésitez pas à checker, c'est le Twitter Desserto France, c'est ça. Allez voir le Twitter Desserto France, @DessertoFrance. Il y a un code d'ici quelques secondes, quelques minutes qui va arriver sur leur Twitter. Un code 1 mois Xbox Live, ce n'est pas rien. Donc allez checker le Twitter pour voir et puis voilà. Donc moi je vais vous laisser de qui parce que je crois que moi je suis fatigué, je crois que je vais aller jouer. Bah oui, ce petit Ronan, il n'a pas dormi. Ah j'ai pas dormi donc je suis désolé. Donc je crois que moi je vais aller jouer ou je vais aller vite fait m'en poser. Ouais. Donc je vous laisse avec Doki et je reviendrai sûrement commenter dans l'après-midi, dans la soirée. Donc je vous dis à tout à l'heure et à la prochaine. Allez, bye. Ouais, donc au pire on va essayer d'avoir un NCD. Vortex ! Yako ! Tu veux un interview ? On va peut-être avoir Yako. Attends, je suis pas sûr. Ouais, attends. Ouais, on a Yako. Ouais, donc on va voir Yako comme on va l'interviewer, donc voilà. Ouais, vas-y. Salut à tous. Ouais, donc comment ça s'est passé ce match? Bah, ça a été un match en HP, c'était assez facile, on va dire, parce qu'on a mis un sacré score. Ensuite, on SND, on est complètement débordé, que ce soit ce match-là ou le match juste avant, on fait de la merde, on fait n'importe quoi. On est pas constant dans nos kills. Tout à l'heure, moi en SND, j'ai fait du 12 pour 5. Et là, j'ai fait du 4 pour 8 ou 9. Ou je sais pas. Je me souviens plus trop de mon score. Après, en CTF, on a été au-dessus. On a réussi à prendre le contrôle map. C'est ce qu'il faut de toute façon. Donc voilà quoi. Débloquer vos SS. Ouais. Ah, okay. Et puis voilà. D'accord. On a entendu le trash talk. C'était. Franchement, Zip, il est à fond Zip sur le trash talk. Chaud, ouais. Zip, il était super chaud dans le trash talk. Moi, je suis pas dedans du tout. Je suis super fatigué. Du coup, je suis pas d'humeur à trash talk et tout. Voilà. Merci beaucoup Yako pour cette interview et j'ai hâte dans la suite. Ouais, merci. Vas-y. Ciao les gars. Ciao. Ouais, voilà, c'était Yako. Maintenant, fais bien. Maintenant, ok. Ouais. Donc ouais. Donc on va envoyer le code maintenant. Maintenant, donc préparez-vous à voilà. Donc sur le Twitter des Sortes France, donc. On va le mettre, donc voilà, on va le mettre maintenant. Donc voilà, ça va être maintenant. Donc préparez-vous et allez sur Xbox.com, faites vos trucs, faites tous vos trucs. Et parce que le code, ça va être maintenant. Donc voilà.
Voilà, il vient juste d'être tweeté, donc le plus rapide l'aura. Voilà. Peut-être que ce sera. Voilà. On mettra la musique, ça va? Ouais. Ok. On va mettre de la musique et on revient dans 30 minutes, je pense. Ok. Bon. Allez. Ciao.